Ah, c'est Papa Nadouska, DJ Publicité de London. Moi, j'ai un truc, je ne comprends pas. Franchement dit, je ne comprends pas. Quand j'ai parlé, on dit, je parle des choses, Makoso. Mon frère, Bob Lee t'a mis au pas. Il t'a clashé. Bref, là, tu n'as pas parlé. D'après là même, on ne sait pas où tu as mis. C'est comme ça, Bobo. Il est rentré, tu n'as pas parlé. Il a cassé les papots, tu n'as pas parlé. Hein? Impéré, c'est Makoso là. Dès que tu as entendu net que Bobby est mort à 14h, dès que Bobby est décédé à 14h15, 14h30 net, tu as fait sortir museau là en même temps. Bouche là, bouche longue, on dirait petit bec là. Tu as fait sortir ça en même temps. Je suis Bobli. Hé, Makoso, pourquoi toujours tu attends quand les gens sont en prison là pour aller faire, pour sortir ta bouche longue là? Tu peux pas te taire un jour. Tu peux pas te taire. Makoso, tu peux pas te taire. Tu peux pas fermer clapette là un jour parce que moi ça me saoule. Tu as fait ça pour Peter 007. Il t'a dit la vérité ici. Il t'a clashé ici. Il a fait sortir tes cheveux chauves là. Ta tête chauve là. Il a fait sortir. Tu n'as pas parlé. Dès que tu as attendu qu'ils ont arrêté Peter à 14h16, toi, à 14h31 net, tu as placé portable. Tu es sur Peter comme ça. Tu n'as pas honte. Tu attends toujours quand les gens sont en prison pour sortir, quoi. C'est sûr qu'un jour, quand tu attends que 10 épisodes de London est à la Maca, en Côte d'Ivoire, c'est là que tu as fait sortir Mizou, ta bouche longue. C'est là que tu as fait sortir. Mais moi, là, je te dis toujours, moi, je suis ton terminus. Moi, je suis ton terminus. Oui. Il y a trois personnes que toi, tu n'as pas cœur. Il y a Bob Lee, il y a Peter, et puis il y a 10 épisodes de London. Bob Lee, là, il est décédé. Peter, allez là, il y a Magnan sur lui. Donc, il ne peut pas enlever Magnan. Hein? Mais moi, là, je ne suis pas dans Magnan. Moi, je suis à Londres. Je suis en Angleterre. Je suis chez moi. Oui, moi, je ne vais pas quelque part. Je dis, moi, je vais en Côte d'Ivoire quand mes enfants, mes derniers enfants, là, auront 10 ans, 10 ans. Donc, c'est-à-dire, j'ai le temps encore à faire à suivre. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Au moment où les autres pasteurs, là, ils sont dans l'histoire d'Israël, Israël, Israël, le fond de tombeau de Jésus. Tombeau de Jésus, tombeau d'Abraham, tombeau de Makoso est dans le buzz, dans le Congo, ça comme ça, quoi. Tout ce qui bouge les réseaux sociaux, il est dedans, ça bouge les langues. Un faux pasteur, un minable pasteur comme ça. Non, Makoso, il chauffe trop mon cœur. Un marmailleur, un menteur, un voleur. Hein, pasteur. Parce que lui doit manger, personne ne doit manger. L'argent. Makoso, tu es un maudit. Ou bien tu fais ça parce que tu vois que les gens, ils ont oublié les 14 ans de prison que tu dois faire là. Hein? Peut-être que ça t'a fait parler fort là. Pour qu'ils n'ont pas oublié tes 14 ans. Mais moi, j'ai mis ça au congélateur. J'ai mis ça au congélateur. Moi, je ne peux pas te laisser. Parce que tu es trop mauvais. Tu attends toujours que les gens soient en prison là, pour sortir. Observateur, là, il t'a fait quoi? Observateur et Ben, il t'a fait quoi? Il a fait quoi, observateur? Observateur dit, les Ivoiriennes, elles sont djandjou. Celle qui a posé plainte là, elle est djandjou. Est-ce que observateur là, ce qu'il a dit là, c'est faux? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriennes n'ont pas deux gars? La plus fidèle à deux gars, c'est qu'elles sont djandjou? Busy la sécurité où? Busy. On attend Busy en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ils ont créé? Ils ont créé parce que les Ivoiriennes, elles sont djandjou, elles sont putes, elles sont des atomées, elles sont djantra. Et c'est ça qui est la vérité. Observateur, il a dit la vérité. On l'attrape, on le met à la maca. Pourtant, ceux qui ont volé les 600 milliards de passeports détournement, ils ont volé l'argent du pays là. Là, on parle pas, hein? On parle pas. On les change de poste. On les change de poste. Ils ont volé l'argent, détournement, dernier public, détournement. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire, volé l'argent du pays, ils n'ont pas parlé. Observateur dit, les Ivoiriens sont djandjou.
Celle qui a posé plainte, elle est jantra. Ça, là, son mal, ça mérite maca. Observateur doit mourir. Parce qu'il y a, mais ceux qui ont volé 600 milliards, 600 milliards de francs CFA de passeport, non. Et ils deviennent maires. On les fait changer de poste. Marcoso, tu n'as pas vu qu'ils ont détenu 600 milliards. Tu n'as pas vu. Tu es un maudit, quoi. Tu attends qu'il est observateur en prison et tu viens sortir maintenant. Observateur en prison, toujours, il te clash, tu ne parles pas. Il te dit la vérité, tu ne parles pas. Dès que tu attends qu'il est la maca, tu fais sortir ton museau, ta bouche, l'ongle. Tu es trop maudit. Non, tu es maudit. Non, Marcoso, tu es maudit même. C'est pas Wawa. Non, moi là, tu me plais. Non, 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 non. Je ne suis pas fan de toi, hein. Je ne suis pas fan de toi même. Parce que je sais que tu es maudit. C'est quoi, je ne suis pas fan de toi, hein? Je ne suis pas fan de toi parce que je sais que, hein, ton cœur là, c'est noir. Trop maudit, le gars là. Big up à observateur. Big up à observateur. Il n'a rien fait de grave. Il dit, la fille, elle est djadou. C'est tout. Et puis, ce que l'observateur fait sur les réseaux sociaux là, c'est pour distraire le monde, c'est pour distraire les réseaux sociaux. Sinon, si l'observateur c'était là, il n'aura rien à faire et les Ivoiriens seront dans les manifestations. On va dire, ils ont augmenté le gaz, ils ont augmenté le courant, ça dérive tout ça. Il y aura manifestation en Côte d'Ivoire. Donc, les observateurs là, ils sont là pour faire oublier un peu les gens. Et toi, tu viens parler. Non. Makoso, c'est que sur tout ce que je dis là, il faut garder pas. C'est que un jour là, quand je serai à la Makala, tu vas faire sortir. C'est pas Wawa. Moi, je suis toi. Je suis toi, Makoso. Parce que tu es trop maudit. À cause de l'argent, tu es capable de vendre toi-même tes propres enfants. À cause de l'argent, l'argent, l'argent. L'argent que tu vas mourir, tu vas laisser là. À cause de ça, on ne peut pas respirer. Tu es sûr comme ça, TikTok, Facebook. N'importe quel site, tu es là-bas, mais tu ne parles jamais de Jésus, tu ne parles jamais de Dieu, tu ne parles jamais de Moïse, tu ne parles jamais d'Israël. Toujours, c'est l'argent. Un maudit. Et non, mon gars, il m'énerve. J'ai envie de le manger même. J'ai trop envie de manger comme un gosso. Trop. Big up observateur. Big up observateur. Observateur, c'est Makoso, hein. C'est pas autre personne, c'est Makoso. Affaire à suivre.